La première partie du cours, je vais parler de, du Perekshira parce que j'ai eu beaucoup de questions sur le Perekshira et on ne peut pas lire le Perekshira si on n'a pas compris en fait ce que c'est. Donc je vais un peu expliquer c'est quoi cette Ségoula, 40 jours, tout ça. Il y en a qui disent que c'est une Ségoula, certaines personnes disent que ce n'est pas une Ségoula. Moi maintenant ce que je vais faire, il y a un cours que j'avais entendu du Rav Twitou. Je vais un peu paraphraser ce qu'il dit en une heure et demie et le condenser et prendre vraiment des choses. Mais je vous invite vraiment à aller voir le cours sur Perekshira du Rav Twitou. Vous écrivez juste Perekshira et vous avez le premier cours qui est, c'est lui. Donc, déjà, qui connaît Perekshira et qui fait Perekshira? Ma belle-sœur. Alors, Perekshira, alors certaines personnes disent que c'est une Ségoula de faire pendant 40 jours et on a cherché. Et en vrai, c'est écrit nulle part qu'il faut faire ça pendant 40 jours. Mais pourquoi on dit 40 jours? Parce que la lettre même, même c'est 40 en hébreu et même c'est aussi ma'avar. Ma'avar, c'est pour passer d'une situation à une autre situation. Et c'est une idée de renouvellement, de renouveau. D'où on le sait, par exemple, Noar, ils ont été 40 jours dans le bateau. C'était le renouvellement du monde. Pareil pour la Torah, il y a eu un renouvellement, il y a eu 40 jours. 40 ans dans le désert. Le chiffre 40 revient à chaque fois. Par exemple, le Mikvé, c'est 40 CA, c'est 40 mesures d'eau. Le chiffre 40 revient tout le temps. On dit qu'une personne qui fait pendant 40 jours quelque chose, elle s'habitue à le faire et elle le perpétue pour continuer à le faire pour plus tard. Donc, le but du Perekshira, en fait, c'est qu'on le dise tout le temps. Et on peut le dire le matin et le soir. On peut le dire à tout moment de la journée. Donc, ça, pas beaucoup de personnes le savent. On peut dire aussi le soir, apparemment, Perekshira. Maintenant, le meilleur moment pour le dire, c'est à la Zricha. C'est vraiment, non, plutôt Olad HaShachar. C'est vraiment au premier moment, à l'aube, au lever du soleil. À l'aube, au lever du soleil, c'est le meilleur moment. C'est Kulo Chesed, le monde, c'est vraiment Chesed Shel Hashem, quoi. Qui sait Chesed? Maintenant, j'allais parler du Perekshira, mais je ne me suis pas rendu compte que c'est en parallèle et en lien avec la Paracha de la semaine. Là, on est juste dans la première partie du cours, hein, on ne parle pas du cours central. Le cours ne va pas porter sur ça, mais ça, c'est la première partie. Et il y a écrit quoi dans la paracha de cette semaine? Que Yaakov, il est parti de chez Lot, ok, de Lavan. Petit rappel des faits, il est parti de chez Lavan, il a travaillé chez lui pendant 7 ans, plus 7 ans, 14 ans, plus encore, il a travaillé là-bas. Et là, dès qu'il a eu Yosef, il a dit, c'est bon, je peux affronter le monde et je peux affronter mon frère et ça pour lequel je m'étais sauvé précédemment. Et du coup, il prend toute sa famille. On dit que, petit détail qui est mentionné dans la Torah, mais je vous le dis, ils ont traversé un lac, un fleuve. On dit que quand on traverse un fleuve, eh ben, on laisse les démons derrière nous. On laisse les mauvaises choses derrière nous parce que le démon ne peut pas traverser l'eau, en fait. Donc du coup, lui, il a cru qu'il avait un Aïnara, quelque chose de mauvais qui le suivait. Donc il s'est dit, toute ma famille va traverser le fleuve pour enlever ça. Donc, il a passé le fleuve. Donc, ça, c'est un petit chidouche, quelque chose de nouveau qu'on donne sur la paracha. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut aller chercher un fleuve à côté. Si vous pensez qu'il y a eu de la Nara à côté, sautez le fleuve, hein, tout va bien. Mais même quand on rentre dans le mikvé, si on pense à quelqu'un qui a mal quelque part dans le corps, on dit qu'on peut enlever le mal de la personne. Enfin, voilà, faut avoir des pensées à la personne quand on rentre dans l'eau pour enlever le mal. L'eau, elle permet d'enlever ça, en fait, parce que Elle ne permet pas à la matérialité de rentrer. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Il passe et là, il voit qu'il est en train d'aider toute sa famille à passer. Et là, qui est le dernier à passer? C'est l'ange des sables. Et là, il va avoir une guerre, on va dire, une petite bagarre entre l'ange des sables et Yaakov. Et l'ange des sables et Yaakov, il se bat. Et là, l'ange des sables, il lui dit, ça y est, il faut que je remonte tout de suite chanter la Shira. Et là, il lui dit, non, tu ne remontes pas tant que tu ne m'as pas béni. Il faut que tu me bénisses, que tu me bénisses et tout. Et lui, il dit, d'accord, je vais te bénir. Et à la fin, il lui dit, tu ne vas plus t'appeler Yaakov, tu vas t'appeler Israël. D'accord, il lui a donné un autre prénom, Benosaf. Et qu'est-ce qu'il devait chanter à ce moment-là, cet ange-là? Il devait chanter le Perekshira. Et Yaakov, il lui a dit, mais c'est bon, tu peux chanter une autre fois, demain, c'est pas grave, chante-le demain. Il dit, non, parce que moi, mon tafkid, mon poste, c'est maintenant et je peux chanter qu'une fois dans toute ma vie et c'est maintenant. Donc il faut que je remonte. Et il paraît qu'il était en train de remonter en même Alors, temps oui, chanter le Perek. Introduction à la conclusion. Et au milieu, il y a six Perek, c'est-à-dire six chapitres
du jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6. Et le, alors là, on va regarder juste l'introduction et la conclusion, ce qui nous intéresse, et vous allez voir comment c'est fou. Et demain, vous allez toutes commencer à faire Pereshira parce que c'est tellement beau. Voilà. Alors, il y a écrit Amar Rabbi. Donc, il y a un rave qui a dit Kol haosek beperek shira baolam hazeh, tout celui qui dit le perek shira ici dans ce monde, zoche lilmod et ou les lamed, lishmor ou la sod ou kayem, vitamido, mitkayem beyado. Alors, tout ce qu'il va étudier et transmettre, il va le retenir. Venitsul, mi etserara, ou mi fegara, ou mi rebut a kever, ou mi dina shel geinam, ou mi revedo shel machiar, ou mari chamim, zoche lilmod a machiar, ou khalil onam abba. Et là, il nous promet, ce rabbi-là, que si on lit le perek shira, on est en introduction, il va arriver, on sera sauvé du geinam, on sera sauvé du ribout à kever. Donc, ribout à kever, on en a parlé dans un ancien cours. Il pourra participer au machiar, il sera là. En gros, il nous promet la totale. Il dit voilà, tu lis ça, voilà tout ce qui va se passer. Tania Amar, Rabbi Eliezer. Donc là, il y a Rabbi Eliezer qui vient, il dit Kol Omer Perek Shira. Donc lui aussi, il dit Azia Shamoshé, nanana. Tania Rabbi Eliezer Omer, Kol Omer Perek Shira. Qu'est-ce qu'il dit? Omidin caché. Alors lui, il va être sauvé de tous les malheurs du monde, de tous les mauvais jugements. Bezrat Hashem, genre vraiment, il va lui arriver que des bonnes choses. Et ça, il le promet. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Là, je m'arrête pour l'instant. Ça veut dire que si la personne lit le Perek Shira et tous les jours de sa vie, ok? Et elle arrive à 120 ans à son jugement, ok, comme tout le monde, on a le Yom Hadin, et que ça se passe mal pour elle, elle peut dire Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, venez ici parce que vous m'avez promis des trucs. Voilà, vous m'avez promis ça, ça et ça, je l'ai dit tous les matins, ben venez maintenant et montrez-moi que c'est vrai. En gros, eux ils se portent garants de ça si on lit ça. Il y en a même certaines personnes qui disent que Perek Shira c'est plus fort que les Tehillim. Pourquoi? Parce que les Tehillim, on le fait que pour le Olam Abba, ça veut dire on prie que pour le, non, que pour le Olam Hazeh, Slira. C'est-à-dire, mais là, dans le Perek Shira, on passe par le monde animal, le monde végétal, le monde minéral, on passe par tous les Olamot, par tous les mondes, en fait. On va louer des catégories de mondes, en fait. Et c'est ça, en fait, pourquoi c'est plus que les Tehillim, parce que ça nous permet de le Olam Hazeh et le Olam Abba. Ose Shalom Bivromam. Quand on dit à la fin de l'Amida, c'est-à-dire qu'on fait le ribour, le lien entre le monde ici et le monde et le Olam Abba. Donc c'est ça en fait, c'est ça la force du Perek Shira. Et donc ça c'est toutes les promesses qu'il fait. Et après ça continue. Amrou Chazal à David Ameler. Donc Chazal il a dit à propos de David Ameler. David Ameler il a fini d'écrire les Tehillim, il était tout content, il a dit qui mieux que moi qui a écrit un livre entier de Tehillim sans se vanter. Hein. Il ne s'est pas vanté, mais en gros il a dit voilà c'est un truc de fou. Et là qui arrive une grenouille. Et la grenouille, elle dit, ben, moi, et là, c'est écrit dans l'introduction, elle dit, ben, moi, je suis mieux que toi. Moi, la grenouille, je suis mieux que David Ameler. Elle a dit, ah bon, pourquoi? Elle dit, parce que toi, tu as écrit des magnifiques chants, ok, avec ta lyre et tout, mais moi, rien qu'avec un mot, j'ai un mot, genre mon quoi de la grenouille, c'est des milliards de... il dit myriade, c'est myriade, je sais pas comment on traduit ça, de chants en fait. En un mot, il dit tous ces chants, quoi. C'est un truc de fou. Et donc, il dit si, même, et il dit encore plus que ça. Rien qu'en un mot, j'ai dit 3 fois plus que toi, 30 000 fois plus que toi, mais je fais une mitzvah qui est très importante. C'est la mitzvah de si quelqu'un a faim, eh ben, je lui donne à manger et je me donne à lui. Et en fait, lui, en fait, la grenouille, elle se donne à manger, en fait. Ça veut dire elle se jette dans la gueule du loup et elle se laisse mourir comme ça. Pour faire la misbah, et quand même être à misbah, de donner à manger à celui qui a faim. Et donc là, on est à Perek Rishon. Alors, en gros, Perek, donc je vous ai dit, c'est jour 1, jour 2, jour 3. Alors, jour 1, c'est... vous m'écoutez, vous êtes avec moi, vous regardez ce qui se passe dedans. Ok, alors, on est dans le jour 1, Perek Rishon, Shamaim Omrim. On commence par le ciel, après il dit la terre dit, le ciel dit, le Gan Eden dit, le Geinam dit. Voilà, il dit, ça c'est le début, tout ça. Quoi d'autre? Il y a les fleuves dit, donc ça c'est le jour 1, ok? Maintenant, ce que les gens ne savent pas, aussi sur le Perek Shira, qu'on va peut-être apprendre ce soir, c'est que c'est, on ne dit pas les animaux, on dit que, par exemple, les étoiles, on dit... voilà, là, ils continuent, ils disent la rosée.
Il y a quoi? Il y a la poule, tous les animaux en fait. Mais en fait, c'est un ministre, ok, qui est achaïs, comment dire, responsable d'une catégorie d'animaux en fait. Ça veut dire que si dans la rue un jour je croise un chien et que je dis la phrase du verset qui le correspond, eh ben normalement il m'arrivera rien. Voilà. Donc, faut apprendre les phrases par cœur pour ceux qui ont peur. Il n'y a pas les araignées. On a les serpents. Non, il dit quoi? Anoflim. C'est pas la phrase, ouais. Là, il y a le pil, il y a l'éléphant, il y a tout le monde. Mais il faut juste comprendre que, en fait, ce qui se passe, c'est que au moment où il y a Olot HaShachar, ok, eh ben les anges, ils attendent que nous, ici, on fasse le Perek Shira. Et si nous, on ne l'a pas fait, eux, ils ne peuvent pas le faire. Parce que tout ce qui. C'est un miroir, en fait, le monde en haut et le monde en bas. Ils ne peuvent pas faire. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent. Et ils disent: bon, alors, qui nous récite le Perek Shira? On a besoin de Perek Shira tout de suite. Faites Perek Shira. Sinon, nous, on ne peut pas faire notre chant. Et du coup, ça, c'est le problème. Ils sont redevables. Et c'est pour ça que c'est une ségoula. Et c'est pour ça que, Baruch HaShem, nos vœux sont exaucés. Parce que si eux, ils attendent qu'on le fait, et que moi, j'arrive, je dis: c'est bon, j'ai fait. Maintenant, tu m'exauces. Parce qu'à la fin, il y a écrit: Kan. Omrim et Bakashater, c'est-à-dire ici entre parenthèses, tu peux dire ta petite demande, une demande, hein, pas moi alors Refoua Shema pour je sors ma liste, non, c'est une demande, ok, c'est le vœu de Aladdin, tu frottes une fois, tu fais un vœu, c'est tout. 40 jours, un vœu, t'es à fond dedans, on a dit Mavar, c'est le pont, le tunnel, t'es concentré pendant 40 jours. Maintenant, il ne faut pas s'interrompre pendant le Perek Shira, c'est pas on lit jour 1. Et après, aujourd'hui, on s'arrête. Et on parle. Il faut être concentré. Par exemple, nous, quand on fait Perek Shira, même ma sœur qui est Ariel, où elle a beaucoup de visites, des gens qui rentrent, elle prévient tout le monde qu'elle fait Perek Shira, ou elle prévient sa coloc. Je fais Perek Shira, personne ne m'interrompt, je suis concentrée, je ne lève même pas les yeux pour regarder l'autre personne. Il faut être hyper concentré. Un, être hyper concentré. Deux, ne pas oublier l'introduction et la conclusion. Parce que comment tu veux comprendre l'histoire si tu n'as pas lu le premier chapitre? Parce que le premier chapitre commence à l'introduction, déjà. Et voilà, maintenant que vous comprenez que c'est une catégorie de personnes qui est représentée, imagée dans ces animaux. Alors, dans certains, pas dans le mien, il y a l'image à côté parce qu'on doit aussi se référer à l'image. Maintenant, c'est comme un chant philharmonique. Ça veut dire qu'on n'a jamais entendu même. Un chant vraiment magnifique qu'on n'a jamais entendu. Le Perek Shira. Perek, c'est un chapitre comme ça. Et Shira, c'est un chant. Mais c'est tellement un beau chant que normalement il faudrait le chanter, le faire avec un petit air sympathique. Moi je ne le chante pas. C'est bien aussi de le lire avant la prière du matin. Des fois je le lis avant, des fois je le lis après. C'est bien de le lire aussi à heure fixe. Voilà, une personne qui est occupée et qui dit non, je le fais à 9 h du matin, des fois à 4 h de l'après-midi. C'est bien aussi de lire l'une pour l'autre. Ça veut dire toi tu veux prier pour elle, elle veut prier pour toi. Ça marche une tonne. Voilà, et c'est toutes les délivrances. Donc voilà, on a compris qu'il y a plusieurs catégories. Il y a jour 1, jour 2, jour 3, nan, nan. Moi, il y a une catégorie que j'adore dans tout ça, c'est la Tarnégole. Alors, c'est jour 4, je crois, ou jour 5. Yom Khamishi, Yom Sheni. Attendez, je vais voir. Tarnégole Mahou-Omer. Alors, la Tarnégole, elle, son rôle, c'est de réveiller les gens qui dorment. Alors, elle dit. Bah oui, c'est ça. Bécha, Sheba, Akadosh, Baruchou. Alors, au moment où Akadosh, Baruchou, il vient, et Tzel, Atzadikim, pour voir les Tzadikim, Began Eden. Alors, parce qu'ils ont des yeshivot au Olam Haba, ok, non, ils étudient. À un moment, il y a Hachem qui vient, ok. C'est le moment aussi où les couples, les deux Neshamot qui étudient toute la journée, c'est Yeshiva des femmes et Yeshiva des hommes, ils se rejoignent. Et ben, elle dit. Et Hachem il vient. Alors, Bekol Rishon, ça veut dire première voix, premier son. La poule qui doit, enfin, la tarnégole qui doit réveiller tout le monde, elle dit réveillez-vous, réveillez-vous. Elle fait, qu'est-ce qu'elle dit? Pitre Olam Vayavo Melach HaKavod. Mise Melach HaKavod, Hachem Izo Vegibor, Hachem Gibor Milchama. Là, elle essaye de nous réveiller à la première heure. Ok. Deuxième heure, Bekol Sheni, avec une deuxième voix, elle arrive, elle vient, elle dit. Venez, il y a Hachem qui est là, notre Dieu, non, non, misez Melech HaKavod, Hachem, ou Melech HaKavod, c'est là. Et là, il continue. Et il dit, c'est qui Hachem, non, non, et là, au bout de troisième voix, et il continue. C'est-à-dire, Savlanout, il a beaucoup de patience, la tarnégole le matin. Allez, réveillez-vous, réveillez-vous. Et ça, c'est la troisième voix, il dit, réveillez-vous comme ça, les tzadikim, vous aurez fois deux au Olam Haba. C'est-à-dire, si vous vous réveillez maintenant, c'est-à-dire à 3 h du matin,
Vous allez avoir foi de Olam Haba. Bekol revi omem Yeshua techa ki viti Hashem. Bekol chamish omem Almatay. Amatay atzel tishka matay takum mishnatecha. Là, il n'en peut plus. Il dit cinquième voix. C'est quand tu vas te réveiller. Admatay. Quand tu vas te réveiller. Tishka matay. Jusqu'à quand tu vas continuer à dormir. Takum mishnatecha. Réveille-toi de ton sommeil. Bekol shishomer al teaev shana pen tivarej pekar enecha shevalachem. Bekol shevi omer. Il va jusqu'à sept fois réveiller nous, en fait, au lamazé. Et la sod la shem afechu toratecha. Et à la fin, il dit quoi ? Notel Achem, les Chobassar, qui est l'âme Chazdo. Et en fait, il dit, réveillez-vous. Mais pourquoi il ne se réveille pas ? Il doit faire Torah et Mitzvot ici. Il faut savoir qu'une âme, Olam Haba, qui est décédée, si on lui laisse 24 heures ici, la seule chose qu'elle fait, c'est de faire le plus de Torah et Mitzvot. Parce qu'ici, on amasse, comme je vous ai dit à chaque fois, avec la gala du supermarché. À l'avant, on arrive à la caisse, c'est ce qu'il y a, c'est ton compte. Tu ne peux pas faire plus. Olam Haba, tu as ton srar, tu as tout ton salaire. Tu ne peux pas faire plus. Et là, la tarnégole essaye de nous réveiller. À chaque fois que je lis ça le matin, je me dis oh là, pourquoi je ne me suis pas réveillée plus tôt. Je me dis parce que la tarnégole, elle a eu du mal. Des fois, quand je me lève tôt, je suis très contente. Et sinon, il y en a un autre que j'aime bien. C'est la zvouv. Alors, zvouv, c'est le. Comment on dit zvouv ? La mouche. La mouche. Ratoul. Ouais, même la mouche, elle a une prière. Alors, attendez. Il y a moustique. Non, c'est la même catégorie. C'est des insectes. Zvouv. Pile, alors, le Perek Shira, ça met à peu près 10 minutes quand ça fait bien 40 jours que tu l'as lu. Mais 15 minutes. Ouais, non, moi je mets 15 minutes. Hein. En vrai, je mets 15 minutes. Déchirim. Ok, il y a même l'herbe, les végétaux, tous les végétaux, il y a... Mayanot, attendez alors. Est-ce qu'il y a un rapport avec les Gilgulim ou aucun rapport ? Non, aucun rapport avec les Gilgulim. Khatou, Zeev, normalement c'est en bas. Zou. Nacha, c'est le serpent. Nemala. Nemala, c'est la fourmi. Choaz, Dodom, Khamor. Attendez juste, je trouve la Zbouv, elle est où ? Ah, Zbouv Omer. Écoutez. Béchar, Shéen Israéli Moskim Batora, à l'heure où il n'y a aucun juif qui est occupé à faire la Torah, le monde est mort en fait. Hein. S'il n'y a pas un juif, il y a toujours un juif, mais bon. Kol Omer, il y a une voix qui dit Kara ve Amar, Maekra kol Abasa Khatir vechol Khazdo Kesi Sasade, Yavet Khatir, nan, ça c'est un, Bore Nifshepani, nan, Shalom les Rachov et les Karov, Amar, Hachem ou Refativ. En gros, il dit au moment où. Il n'y a pas de juif qui est occupé. Là, en fait, c'est un peu des mises en garde. Hein. Tout ce qu'ils nous disent ici, c'est que des mises en garde. Genre, réveillez-vous, hein, vous ne vous rendez pas compte. C'est, voilà. Et en gros, il dit bonjour à ceux qui sont éloignés, bonjour à ceux qui sont proches. Shalom, shalom, les rachok ve les karov. En gros, nous, on doit toujours prier pour l'arzir anashim betchouva, c'est-à-dire pour essayer d'éclairer les autres aussi. Mais en gros, même la zvouv, elle a le srout de dire ça. Genre, même la plus petite. Imaginez, ça nous apprend l'humilité. Perek Shira, c'est l'humilité. C'est-à-dire, tu te rends compte que toi, t'es rien face au monde de la création. Tous les matins, tu te rends compte, tu te réveilles. La première chose que tu fais, c'est Perek Shira. Il est 6h du matin, t'es Beorot. Beorot, c'est-à-dire dans la lumière. Et tu lis la création du monde, mais c'est un truc de fou. Et là, on est à la conclusion. Et là, je vais sortir d'un suspense fou. Rabbi Yehoshua, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Il nous dit... que Rabbi Hanania lui a dit non, non. Et là on finit le dernier qui est loué, c'est qui le dernier qui est loué, c'est qui font Perek Shira, le chien, c'est les chiens. Alors Klavim, et là ça pose un problème parce que là Rabbi Yeshaya il dit moi je comprends pas pourquoi les chiens ils doivent être dans le Perek Shira, pourquoi ils ont ce route là, c'est un animal tamé, c'est un animal impur, pourquoi il doit être dans le Perek Shira. Et en fait il a fait 40 jeûnes, je ne sais pas combien de jeûnes il a jeûné. Il a écrit. Donc tout ça, c'est dans la conclusion. Ça, c'est la conclusion. Il n'a pas compris pourquoi, je vous le fais en rapide. Il n'a pas compris pourquoi on devait louer les chiens. Il a jeûné pendant 40 jours parce qu'à l'époque, on ne comprenait pas, on jeûnait. Nous, aujourd'hui, on ne comprend pas. On ne va pas jeûner 40 jours. On ne va pas essayer de comprendre. Mais bon, ça, c'était à leur niveau. Nous, on est d'Orchala, c'est-à-dire on est une génération faible. 24 heures, c'est déjà beaucoup, Baruch HaShem. 25, qui pour, on le fait, mais ne me demande pas 40 jours juste parce qu'il y a écrit chien dans le Perek Shira. Et là, il y a un ange qui se dévoile et qui dit
Bon, je vais te donner la réponse. Je vais te sortir du suspense. Pourquoi on dit les chiens? Parce que les chiens ont un srout qui n'ont pas crié au moment de la sortie d'Égypte et ils n'ont pas alerté les Égyptiens. Et donc, ils ont ce srout-là. Ils ont aussi le srout que leur peau, elle sert à faire, pas les mésouzotes, mais à quelque chose dans les mésouzotes, au processus des mésouzotes. Donc, ils ont ce srout-là. Et donc, voilà, tu as ta réponse. Donc, comme quoi, chaque problème a une réponse. Même si nous, on ne sait pas, il y en est au lame, chez le shaker, on est dans un monde de mensonges. Là, il y a une réponse. Là, il était content, après avoir gelé. Et donc, ça, c'est la conclusion. Et qu'est-ce qu'il nous raconte d'eau dans la conclusion? Ribbon Colamim. Ah oui. Alors, après, c'est... Amen ve amen. Alors, après, c'est Akadosh Baruchou. C'est bon, j'ai dit Baolam shel Abria. Asher Kaniti ve Asakti. Shu Shirat Adomem Atsomear ve Achai. C'est dire les choses vivantes, mortes, minérales, végétales, tous les mondes. Malachim, tous les anges représentants de chaque catégorie qu'on a citée. Shat Azana, Nikranan. Si Dieu veut. Et là, ils te disent vraiment toutes les ségoulottes. Donc, si tu continues à lire Perek Shira, il va t'arriver que des trucs bien, tu vas être sauvé de tous les malheurs, vraiment. Là, on rajoute notre bakasha et amen Kenny Rodson. Vraiment, franchement, je vous le conseille, c'était très beau. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre que je n'ai pas oublié? Ah oui, parce que, ah oui, et du coup, le Perek Shira, ça donne aussi Nachat Ruach à Hachem, parce que ça permet de faire une harmonie parfaite, on a dit, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, le Olam Hazeh, Olam Haba. Et franchement, je vous le conseille. Rien que pour se sentir bien la journée, s'acheter un petit Perek Shira. Moi, je suis rentrée une fois chez la chambre de ta coloc. Elle a une tonne de Perek Shira avec la traduction parce que faut le lire. C'est mieux de le lire dans notre langue maternelle. Et si vous lisez, là, on n'a pas le temps parce que faudra un cours entier pour vous expliquer comment c'est beau. Le ciel dit, la rosée dit. Tu vas kiffer. Ouais. Je vais t'en acheter un Bezrat Hashem. Et franchement, c'est vraiment trop beau. Je vous le conseille. Donc voilà, ça, c'était Perek Shira.